Tu m'entends, Régis? Régis, tu Oh, pardon, nous sommes à l'antenne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici Jean-Michel Larguet pour ce nouveau numéro de Montpellier Héro Télé. Montpellier Héro Télé, numéro spécial où Coach Vacholdo va nous présenter sa conférence de presse faite pour vous, les fans. Vous nous avez envoyé vos questions il va y répondre dans quelques instants par la suite pour ceux qui n'ont pas suivi le match entre Montpellier et le FC Metz, match comptant pour la dernière journée de Ligue 1, coach Vachaldo va vous commenter les images de ce match, les actions ainsi que les buts. C'est à lui, laissons maintenant en place au génie. Laissez-moi vous dire comment vont s'organiser les conférences de presse de coach Vachaldo. Moi, les journalistes, j'en ai marre. posent toujours les mêmes questions, disent toujours des conneries, alors que vous, vous les fans vous posez toujours des questions intéressantes et qui ne sont pas communes à tout autre. Donc, toutes les semaines sur Montpellier télé, eh Télé, on va pouvoir vous répondre, enfin, surtout moi, puisque c'est moi le plus important. Je répondrai à toutes vos questions. Donc, c'est parti, allons-y pour la première. Question de Dylan de la barre Des membres du staff ainsi que des joueurs peuvent craindre que c'est un suicide d'engager un entraîneur de beach soccer qui n'a pas été joueur pro, notamment en Ligue 1. Que pouvez-vous répondre à cela moi même, je crois que Loulou Nicolin est devenu sénile lorsqu'il a fait appel à vous. Eh bien mon petit Dylan, en quoi Loulou Nicolin est sénile de faire appel au génie Voilà. Moi, ce que je peux répondre c'est que le beach soccer, c'est du foot. Le football, c'est du beach soccer. Voilà, c'est tout. Il y a le même ballon, il y a les cages, il y a des joueurs. Je suis là surtout, c'est ça le plus important et je vais prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Que coach Vachaldo va faire remonter le Montpellier Hero dans le classement et va permettre à Montpellier de se maintenir. C'est tout. Et deuxième question de Mathieu Brachet. Pensez-vous pouvoir vous détacher du style de jeu du pitch soccer et de s'adapter au football normal Écoute-moi Mathieu, tous les footballs sont normaux. Que ce soit dans le sable, que ce soit sur pelouse, synthétique, gazon ou autre, tous les footballs sont normaux. Il n'y a que moi qui suis pas normal, moi qui suis un génie. Et je peux te dire que je vais m'y adapter et je vais tout gagner. Je te le dis. Les yeux dans les yeux, regarde-moi, voilà, je vais m'y adapter et je vais tout gagner. On passe maintenant à la troisième question de Hugo Gilles. Le départ de Samson, l'un de vos joueurs clés est-il dû au début catastrophique du club Bon, concernant Samson, on m'a donné un petit peu les détails de son départ. On va dire qu'il avait envie de partir, le club lui avait promis un départ au mercato si ça venait d'un club de Ligue 1 qui soit vraiment un club de cœur. Malgré ses anciennes déclarations sur le PSG et ses tweets qu'il a rapidement effacés, Marseille le faisait rêver. Il a voulu y aller. Et ben, comme j'étais pas là, j'avais pas mon mot à dire. C'est tout. Voilà. Quatrième et avant-dernière question de Judo Paraiso Bone. Coach Vachaldo, question recrutement. Nous savons tous que Younes Belanda est en fin de contrat à Nice. Nous savons d'ores et déjà qu'il partira à la fin de la saison. Si le MHSC se maintient, envisagez-vous de faire revenir l'enfant du pays au Bercail ou êtes-vous opposé Écoute-moi, mon petit jus. Je vais tout gagner. Donc, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue nous permettra de nous qualifier en Coupe d'Europe et il faudra des joueurs formés au club. Le club en est déjà assez bien pourvu, mais tout joueur formé au club d'un niveau satisfaisant à mes yeux pourra revenir. Voilà. Là, je pense que j'étais assez clair. Et enfin, dernière question de Sivodul. Bonjour coach Vachaldo. Vous venez d'enchaîner deux victoires consécutives contre Metz et Dijon. Pensez-vous pouvoir faire une série de victoires Alors, on va s'arrêter là pour la première question. Je vais répondre. Oui, je suis là, je sais gagner, je vais gagner. Autre question concernant le recrutement. Allez-vous faire confiance à votre instinct vu votre connaissance du football brésilien ou allez-vous suivre les conseils de votre staff Là, c'est quand même un peu compliqué. Bon, moi, j'ai déjà trois joueurs en tête, trois joueurs que je vais recruter. À coup sûr, voilà les négociations sont bien entamées donc je pense qu'ils vont venir chez nous que ce soit en achat pur ou en prêt. Le budget est pas très important donc il euh, y aura peut-être euh, un ou deux prêts euh, sur ces trois joueurs. Mais je peux vous annoncer d'ores et déjà que l'effectif le, va être euh, remanié et va voir à accueillir de nouvelles têtes très bientôt. Et bien, merci pour cette conférence de presse, merci pour vos questions comme pour là, vous envoyez vos questions à Montpellier au Télé. La semaine prochaine, nous ferons une autre conférence de presse dans laquelle vous pourrez apparaître si votre question est assez pertinente et assez intéressante. Sur ce, je vous laisse sur Montpellier au Télé avec Jean-Michel Larguet qui va vous présenter la suite de leur programme. Merci et au revoir. Merci à Coach Vachaldo d'avoir répondu à toutes vos questions et maintenant, comme promis, le résumé est commenté par lui-même. Pour le match du FC Metz. Avant le match contre Metz, je choisis d'adapter un petit peu ma tactique, de jouer plus sur les ailes. J'aime déborder, j'ai des joueurs qui courent vite, donc ne faut pas hésiter à le faire. Et puis c'est parti, on enchaîne vite. Les joueurs rentrent sur le terrain, ils savent qu'est-ce que je veux, ils savent ce que je leur ai demandé. La victoire, rien d'autre, rien de moins. Par la suite, 18e minute de jeu, mon milieu de terrain montre encore qui domine les débats. Entre l'âne, ce qui rit ici-là, il n'y a jamais de souci. Et puis là, voilà, Camara, tout seul, arrive à marquer le but. Vous allez le revoir sur le ralenti, il y a quand même le défenseur, Diane, qui rate sa passe en retrait de la tête. Camara va surgir, va mettre le ballon sur le poteau. Voilà, passe en retrait de Diane. Camara qui récupère la balle, poteau, ça revient sur lui. Didion est battu parce qu'il se relève à peine, il ne peut rien faire. Super sub, marque alors qu'il est titulaire. Par la suite, on continue encore à dominer le match. Ces 20 premières minutes étaient magnifiques pour nous. On a un milieu de terrain qui contrôle la balle, la lâche pas. Et même quand ils font des petites erreurs et la perdent, il la récupère assez vite. Dolly voilà, il perd la balle. Silla la récupère, l'âne, Skiri, Skiri pour Dolly qui la repère. Mais l'âne est encore là, Skiri, Silla, petite passe de Silla, frappe de Dolly, Lucarne. Le but est magnifique, ce joueur je vous l'ai dit, il m'impressionne dans l'entraînement, il a encore quelques déchets, ballon au pied. Mais bon, quand il frappe dedans, c'est des merveilles. La petite passe de Scylla, Dolly qui frappe et la lucarne. Didion ne peut rien faire. La suite du match n'était pas mauvaise, on gagne 2-0 au final, mais j'ai eu l'impression d'être dans mes jeunes années et de regarder le Montpellier Rugby jouer à Sabaté. On frappe de loin, on tire au-dessus, les drops étaient magnifiques, mais ça fait que 2-0 au final parce que bah oui, c'est du foot. La mauvaise nouvelle de ce match, c'est quand même Vitorino Hilton. Il s'est blessé. Il a pris entre 2 et 4 mois selon les médecins. J'espère qu'il reviendra quand même assez vite, que ce sera plus proche des 2 que des 4. Quant à Dolly, euh, lui aussi, blessé face à des médecins quand même assez âpres, assez dangereux. Deux semaines et congrès pour 5 jours. Merci coach Vachaldo pour ses commentaires. Et maintenant, la demi-finale de la Coupe de la Ligue dans notre émission spéciale. Match commenté par Philippe Cerceau en direct de l'Orange Vélodrome. Philippe, c'est à vous et bon match Mesdames et messieurs, bonjour, ici Philippe Cerceau pour vous présenter cette demi-finale de Coupe de la Ligue en direct du stade Orange Vélodrome. Le Montpellier au bot de dernier de notre championnat de Ligue 1 affronte l'Olympique de Marseille dans une rencontre, nous l'espérons, à haletante. Nous sommes déjà à la sixième minute de jeu. Rien ne se passe. Le ballon tourne, le ballon tourne. Les joueurs essayent de poser leur jeu et corner pour Montpellier. Silla pour le tirer, tête de plagne ou le poteau. Et c'est le poteau. Oh là 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 là, là Quelle occasion pour le Montpellier oh Touche, touche de le Plagne, Skiri qui revient sur le plagne. Rémi, Rémi qui envoie au centre. Silla tête de Debouze qui tire à côté. Oh là là. Que d'émotion, messieurs-dames, que d'émotion en ce début de rencontre, dominé d'une main de maître par notre cher club du Montpellier. Les Marseillais essayent de se relancer. Et Payet qui se fait récupérer le ballon. Skiri, Skiri pour l'âne. L'âne qui s'enfonce. Il va faire quoi Il va faire quoi Il frappe oh, oh là là Oh là 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 là, là Il ne faut pas être cardiaque sur ce match. Il ne faut pas être cardiaque. Sakai, et pourtant il fait pas froid, ah, quoique 13 degrés Oh là là, oui, je sais, Black pourri. Attention, Sanson, Sanson pour Payette. Payette qui a moi la balle à Gomis, Gomis sur la gauche pour Evra, le vétéran de l'équipe de France. Payette, Sanson, Sanson, qui a failli faire mal à ses anciens coéquipiers. Toujours 0-0, 40e minute de jeu, ou presque, nous voyons de belles occasions. C'est un beau 0-0. Mais on aimerait voir des buts, surtout de Montpellier. Allez, Sanson, Sanson qui n'arrive pas à envoyer le ballon sur Gomis. Mounier pour de Boudobouze pour l'âne. On repart à gauche avec Roussillon qui centre. Ouh, la transversale. C'était un centre-tire magnifique. C'est Seignol, c'est pour De Plagne. C'est pas fini. Si là, si là, si là pour l'âne. Roussillon qui a le ballon et il se fait prendre par Sakai. Il s'est fait enrhumer par Sakai. Attention. Payet, Payet qui se présente face à Jourdrain, il tire, mais non, Jourdrain est là, Jourdrain arrête cette balle, c'est dégagé en catastrophe, mais c'est dégagé quand même, attention, Payet, dernière occasion de cette mi-temps peut-être, Toven, 20 qui sort, ah là 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 là, on l'a échappé belle les amis, on l'a échappé belle, 0-0 à la mi-temps, les entraîneurs à mon avis, vont remodeler les bretelles de leurs joueurs, faire peut-être quelques changements, nous n'en savons rien, en attendant, nous assistons à une très belle rencontre. Beaucoup de tirs de chaque côté, 8 chacun. Il y en a moins de cadrés. 3 pour les Marseillais, 1 pour les Montpellierens. Les Montpellierens dominent quand même le jeu. Mais nous verrons en deuxième mi-temps ce qui va se passer. A tout de suite. Là, ils sont une page de réclame. Retour pour cette deuxième mi-temps de la rencontre de demi-finale de la Coupe de la Ligue entre Marseille et Montpellier. Toujours 0 à 0. Le dernier du championnat de Ligue 1 qui montre aux Marseillais que sa place ne reflète pas son potentiel. Silla au corner et tête But But de Mon Mochielé qui marque ce but suite à un corner de Silla Oh là 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 quel but Nous ne l'avons pas vu venir. Regardez ce corner. Si la tête déviée par ses saignants. Et Moukielé qui s'élève plus haut que les autres. Qui devant you à ne Ça nous fait 1-0. Le Montpellier héros qui pour l'instant a un pied ou du moins un orteil en finale de la Coupe de la Ligue. Et oui le dernier du championnat en finale de la Coupe de la Ligue. Bézimot qui fait le corner pour Payet. Leia Seka et c'est un godre Montpellierien. Et oui, la mauvaise passe du frère de Michi Bachishuayi, qui est relacé par les Mopoly Marvo, Marvo pour Silla, Silla, Skiri à la balle, et ben non. Les Marseillais relacent Sakai, Gomis, Kilas, Leia, Iseka. Leia, oh là 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 Leia, Iseka, qui égalise pour l'Olympique de Marseille. Le petit frère de Michi Bachishuayi. Qui arrive à égaliser? Bon, on le préfère, son nom est plus facile à prononcer que celui de son frère. Un partout, un partout, comme nous le voyons sur le ralenti, Jourdain ne pouvait rien faire. Un partout dans ce match qui tient toutes ses promesses devant 67 000 ou plus, je passe, de spectateurs, je ne les ai pas comptés un à un. C'est Seigno qui fait une superbe frappe, repoussée par Pelé. Cette demi-finale de la Coupe de la Ligue est un sommet. Attention, Camara, Camara pour Marvo, Marvo sur Roussillon qui frappe et but But de Jérôme Roussillon dans la 74e minute de cette rencontre Il propulse une fois encore le Montpellier en finale Regardez-moi ça, dans un angle fermé, il tape le poteau et le ballon rentre dans les cages de Johan Pelé. 2-1 pour Montpellier est-ce que la défense va réussir à tenir Cette saison, ils ont eu du mal. En fin de rencontre, ils perdaient des matchs. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir face à ces Marseillais dans cette enceinte de l'Orange Vélodrome Les Marseillais récupèrent la balle. Leia Isseka pour Payet. On revient derrière sur Bédimo qui, cela dit au passage, a remplacé Evra. Payet, Paillette, Paillette au centre et c'est relancé par la défense de Poblirene. Attention, c'est Segnon le contre. C'est pour Mounier. La défense a eu le temps de se replacer. Le contre n'a pas été fait assez rapidement. Les Montpellier ont la C'est le poteau! Dans le poteau de Scylla! De Plagne, De Plagne qui envoie devant loin. Ouais. Mounier récupère de la balle. De la tête, bien sûr. Leia Iseka, Leia Iseka sur l'aile gauche qui centre. Oh là là! Oh là là! Gomis qui s'élève à plus de 5 ou 6 mètres de hauteur à peu près. Hein Et qui réussit à mettre ce but. Eh oui, regardez-moi ça! Centre de Leia Iseka et Gomis. Oh oui, au moins 9 mètres de hauteur. Ce n'est pas possible. L Égalisation. Des Marseillais. Que va nous faire Coach Vachaldo pour endiguer ce mieux, ce temps de jeu des Marseillais Connaissance à tactique, à mon avis. Il va demander à ses joueurs de faire un pressing plus accentué sur les attaquants, voire de tacler plus durement. Coach Vachaldo semble procéder à un remplacement. Yakubasila qui sort et... et... Le jeune Anis Matate du centre de formation rentre sur la pelouse. Pourquoi fait-il rentrer un jeune dans un match aussi compliqué Peut-être une erreur de management, de coach Vachaldo, de Plagne qui centre. Non, les Marseillais récupèrent la balle. Les Marseillais, Skiri, Skiri, Skiri. Matate, Matate, le jeune Montpellier qui vient de rentrer le jeu, à le ballon. Skiri. Skiri qui se fait tacler par ma châche, monsieur l'arbitre. Le ballon est pris, mais la jambe était là, monsieur l'arbitre. C'est pas grave. Bah. Corner, c'est Seigneur, ma tate... Et ma tate qui marque le but Ma tate qui marque le but Le jeune Montpellierin Le jeune Montpellierin Excuse-moi, Nice, excuse-moi, petit tu as marqué ce but alors que je croyais pas du tout en toi. Tu es un dieu Tu es un dieu, tu nous qualifies peut-être pour la finale de la Coupe de la Ligue. Anis Matat Plus que quelques secondes à jouer dans cette rencontre, le Montpellier est pour l'instant qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Attention Et Oui oui Et c'est fini Et c'est fini Montpellier qui se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue. Nous n'y croyons pas. Un jeune, un jeune Anis Matat, 18 ans, le joueur né en 98 qui n'a même pas vu la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde et qui qualifie son club, qui qualifie le Montpellier héros pour la finale de la Coupe de la Ligue. Oh là là mes amis. Nous n'y croyions pas avant le match, le match avait l'air compliqué, le match se déroulait à Marseille, à l'Orange Vélodrome, personne ne croyait en nous et bien, nous l'avons fait, victoire et finale pour le Montpellier. Héros. Au revoir et à bientôt, merci d'avoir suivi cette rencontre. La saison est maintenant à sa moitié, et le club fait vraiment beaucoup pitié. Il faut de suite trouver une solution pour éviter la relégation. Quand en janvier on est les bons derniers, quand on veut ne pas être relégué, il faut vite recruter l'homme pour gagner. Coach Vachaldo, l'enfant de Montpellier Coach Vachaldo, les joueurs vont en chier Coach Vachaldo, il est venu triompher Coach Vachaldo, l'enfant de Montpellier Coach Vachaldo, la gloire au bout des pieds Coach Vachaldo, le maintien sera assuré Et on sera pas relégué